Femme qui nan Bible la, ki sa nou ka apran nan men yo? Nan Bible la, yo pale nou de fi avèk gason, ou bien de fam avèk gason, men an pil fwa yo plis rapote nou men ki sa gason yo fè, men ki travay gason yo te fè, men ki sa yo pa fè. E zè di, profèt, apot, evanjelis, tout moun sa yo, Ces garçons, j'ai toujours rapporté nous qui ça, qui travaille important, yo te fait. Et comme ça, yo rapporté nous, yo te fait bon Dieu mal, les bon Dieu te prend yo un côté, bon Dieu allons l'autre côté avec yo, yo rapporté nous, histoire Bible raconte nous, mais comment yo t'a vivre, mais comment yo t'ayé, mais qui côté bon Dieu prend yo, mais qui côté li rivé avec yo. Et bien, je dis à Nan video sa, nan vin pote pou ou, travay fam yo te kon fè nan Bibla. Pou video a pa tro long, nan prezento selman 10. Apre sa, nan pretoune avèk res yo pou ou nan lot video. Ki travay? Fam nan Bibla, ki sa nou ka apran nan men yo? Sitou, pou fam ka viv sou te akounya, fam ki kretyen yo, fam an dan l'eglise yo, ki sa nou ka apran nan men fam sa yo nan Bibla. Bibla anseye nou an pil fam ki gen la vi ka ban nou bon leson. Oui, Bibla anseye nou an pil fam ki gen la vi kapab ban nou bon leson, ki gen an pil vale. Yo kapab ban nou bon leson ki gen an pil vale. Par exemple, on vient dans Romain chapitre 15 le verset 4, 2 Timothée chapitre 3 le verset 16 à 17. On vient yo c'est seul exemple pour nous imiter. Oui, yo c'est seul exemple pour nous imiter. En allant dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 11, Hébreux chapitre 6 le verset 12. Nous voilà prendre la même femme yo. Première femme nous va citer pour vous c'est Abigail. Abigail mais les monde qui dit Abigail non c'est Abigail. Abigail c'était madame un homme qui était relé qui un homme qui était riche en pile. Abigail c'était madame un homme qui était riche en pile, il était relé Nabal. Marie Abigail terele Nabal. Abigail sa ki salte, ki famite. Abigail se te yon belle femme de visage. Nan tan koun yon tab di de prestance ki te gen yon belle femme. Ni sou kwa fizik li, ni sou beauté spirituel li, li se te yon belle femme. Abigail te ye. Ou bien sa nan 1 Samuel chapitre 25, le verset 3. Abigail. Marie Abigail vient tomber mouri, qui c'est Nabal. Nabal mouri. Après la mort, Nabal, Abigail vient madame David. Nabal fin mouri. Abigail, qui c'est jeune fille toujours, bien jeune femme toujours. Pendant l'époque ça, c'était roi David qui t'a régné. Mais le roi David gardait le roi Abigail, c'était une belle femme toujours. Et David prend Abigail. Après la mort Nabal, Abigail vint madame David. On vient ça dans 1 Samuel chapitre 25 verset 37 à 47. 1 Samuel chapitre 25 Verset 37 à 41. Après Abigail, nous vient Anne. Anne. Nous tous connaissons l'histoire Anne, qui c'est Madame Elkana,
Elkana te gagné deux madames. C'était Anne avec Penina. Comment Penina t'a insulté Anne? Penina t'a moqué Anne parce que Anne pas te fait petite. En alloué. Anne, madame Elkana, maman prophète Samuel, de nos jours, prophète nous vient dans la Bible, le prophète Samuel. Anne, madame Elkana, maman prophète Samuel, 1 Samuel chapitre 1er, 1 Samuel 2, 1 Samuel 4, verset 7. Anne pas te gen petite, Maril te gagné de madame, c'est-à-dire Elkana. Ça veut dire Elkana. Anne pas de gen petite, mais Maril te gagné de madame. C'était lui-même avec Penina. Anne et Penina. Penina te gagné en pile petite. Peut-être ça, il t'a moqué Anne, il t'a humilié Anne. Anne pas représenté rien devant, pourtant, c'était Anne qui était première madame Elkana. Peut-être il pas bien petite, Penina t'a moqué l'empile. Après Samuel, au con histoire, mais les Anne présentaient devant bon Dieu vin bay Anne, plusieurs petites, mes premiers petites, l'itébal, c'était petite prophétie, qui c'est le prophète Samuel, n'a pli nan Bible, je dis à 1 Samuel, 2 Samuel. Après Samuel, bon Dieu te bay Anne, 5 petites. Après Samuel, bon Dieu te bay Anne, 5 petites avec Elkana. Vous entendez? Après Samuel, Anne te gagné 5 petites encore. 3 garçons, 2 filles. Souvent fois, yo pas présenté non petite fille dans la Bible. Je dis ça dans une vidéo qui passait déjà. Sous temps la loi, c'est pas facile pour yo présenter non fille dans la Bible. Vous entendez? Anne te gagné 5 petites après elle te fin fait Samuel. 3 garçons, 2 filles. On vient ça dans 1 Samuel chapitre 2 verset 18 à 21. Ça nous apprend qui ça nous apprend de Anne, qui leçon nous apprend de Anne, nous même qui femmes jodia qui en cap servi bon Dieu. Qui ça nous apprend de Anne? Ça nous apprend de Anne, ces femmes qui te gain en pile la foi. Anne, c'était une femme qui te gain en pile la foi. Il te croit dans bon Dieu en pile. Malgré Penina t'a humilié, malgré Penina t'a fait souffrir, mais Anne te croit dans bon Dieu en pile. 1 Samuel chapitre 2, le verset 1er jusqu'au verset 10. Jacques chapitre 5, verset 16. Mot fort que Anne te gagné, c'était la prière. La prière, Anne te croit dans la prière en pile. Troisième femme, qui c'est Déborah. La Bible fait connaître, c'est celle juge femme qui t'est présentée dans l'histoire la Bible. Déborah. Déborah, c'était un prophète bon Dieu en Israël. Déborah, c'était un prophète bon Dieu en Israël. Et c'est dans la Bible, ça, dans juge. Chapitre 4, verset 4 à 5. Al l'île, al cherche, ou al joine. Déborah, c'était un prophète bon Dieu en Israël. Juge chapitre 4, verset 4 à 5. Déborah, c'était une femme de courage, une femme de foi, une femme qui fort, une femme qui te gen femme dans femme. Déborah, c'était une femme
qui te gen courage en pile. Bon Dieu, te remè courage, Deborah. Deborah, c'était une femme qui te gen courage. Li te toujours ap apprendre moun yo fè sa ki bien nan je bon Dieu. Deborah te toujours ap apprendre moun yo pour yo fè sa ki bien nan je bon Dieu peuple Israël la. Parce que c'est en Israël Deborah te ji. Te toujours ap enseye moun yo fè sa ki droit, pratiquer sa ki bien, pas agir mal, pas fonctionner mal nan je bon Dieu, li pa bon pour nous. Deborah, c'était comme un conseiller qu'il était en Israël en tant que juge. Il t'a enseigné mon yo parole sa yo. Quatrième femme nan qui c'est Dalila. Nous tous nous connaissons l'histoire de Dalila. Dalila que bon Dieu t'a choisi Samson pour Samson pas jamais bay moun secret. Secret qui fait bon Dieu te bay l'autre maman la papa l'autre pour pas jam couper cheveux. Voilà que Samson qui tombait remè Dalila. Dalila c'est une femme étrangère qui pas même nationalité avec dans l'amour, dans la passion, dans l'affection. Samson arrivé bay Dalila secret. En alwe qui ça Dalila. Dalila c'est une femme juif. Dalila c'était moun pays, c'était un juif Dalila te. Juif Israël. Dalila c'est une femme juif Israël. Samson te remè. C'était une femme juif Israël, Samson te remè en pile. On vient ça dans Juge chapitre 16 verset 4 à 5. Dalila prend l'argent pour le livrer Samson. Dalila prend conseil pour le livrer Samson. Dalila choisit, prend l'argent pour le vendre Samson. Samson, bon Dieu, choisit pour délivrer Israël en bas mais Philistins. Juge chapitre 13, le verset 5. Dalila monte yon complot pour le suivre. Pour le capable vendre, pour livrer Samson. Dalila montre li infidèle, li égoïste. Envers serviteur bon Dieu. Il kite m di ou, le ou le bon Dieu, ba ou yon mesa, le bon Dieu di ou yon bagay, pa koute kelke soa moun ni ye a. Pour détourner des messages, bon Dieu te bao là. Parce que c'est ou même li te confie. Bon Dieu te dit Samson, ou pas gen droit devra le moun secret qui fait yo pa ka couper cheveux nan tête ou qui fait que pep sa pa capable faire rien. Eh ben Samson qui vient tomber remè Dalila passion l'amour pote Dalila et Samson ali. Samson bay Dalila secret ali. Eh ben yo vin victime Samson. Cinquième femme nan c'est Esther. Esther yon juif toujours. Yon orpheline qui pa gen ni maman ni papa, mais qui levé sous main yon gen moun ki di c'est tonton, c'est cousin. Madoché c'était cousin avec Esther. Esther c'est yon jeune fille sans maman, sans papa. Levé sous principe Madoché cousin, Esther joigne délivrance ou bien justice sous Aman. Esther joigne délivrance avec justice li sous Aman parce que Aman t'a fait plan pour éliminer peuple juif ça. Mais pourtant, bon Dieu t'a gen tan choisi yon Esther pour peuple juif là. Aman te vle éliminer pep. Et Aman te vle éliminer juif yo. Nous joignons Esther
En pile exemple, oui, nous venons à Esther en pile exemple de courage. Et Esther, c'était une femme qui était courage. Il était en pile sagesse, en pile humilité. Il était sage, en pile. Ou bien, en bon langage français, il dit modestie, modestie, il est très modeste. On va voir ça dans Somme, chapitre 31, le verset 24. Sixième femme, là, c'est Ève. Qui laissons-nous apprendre dans la main Ève? Ève, c'est la première femme qui existait dans la Bible, sous la planète Terre. Et c'est celle femme, bon Dieu, créée en premier sous la planète Terre, qui c'est Esther. Mais on connaît, à cause des obéissances, Esther, et, excusez-moi, Ève, Ève fait Adam vin perdit tout privilège, tout priorité, yo. Tout ça, bon Dieu, te promet li yo. Désobéissance, Ève fait Adam vin perdit tout, bon Dieu vin mette yo dehors dans le jardin, ou kon histoire ça déjà. Dans Genèse chapitre 3. Ève désobéit principe bon Dieu. Bon Dieu. Genèse chapitre 3, verset 1 à 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 14. De pour désobéir la loi, bon Dieu, ou bien pour tomber en bas sanction, bon Dieu, ou bien pour tomber en bas malédiction, bon Dieu. Malédiction, bon Dieu, a tombé sur vous. Et qui t'aime d'où? Putain, l'homme a calé, ou peut-être un jour, à qui on frette, mais le kabouke. Mais si c'est mes bon Dieu qui a calé ou pas gen recours, pas gen personne qui a ka sauvé. Septième femme là qui c'est Jaël. Jaël c'est une femme courage. Il toujours a pas encouragé moun yo dans travail bon Dieu en Israël toujours. C'était une femme qui te gen en pile courage, qui gen en pile passion. Il toujours a pas encouragé moun yo pou yo servi fè sa ki bien nan je bon Dieu pou yo servi bon Dieu bien. Yo pa bay trop, la Bible pa bay trop detail sou Jaël. Huitième femme nan ki se Jezabel. Jezabel yon femme ki pa konnen bon Dieu. Jezabel se yon c'était madame Akab. Jezabel c'était madame Wa Akab. Jezabel pa vle pa servi bon Dieu, li tap servi bon Dieu cananéen yo ki se Baal. Jezabel pa vle servi bon Dieu, li même se bon Dieu pal li tap servi malgré l'ensemble avec Akab. La introduit moun yo pou yo pa servi bon Dieu Israël la pou yo servi bon Dieu cananéen nan bon Dieu pal avec di les images. Pour adorer toute vieille image qui gagne. Il t'a encouragé pour adorer Baal et pratiquer acte immoralité. Il t'a enseigné Mounio pour adorer Baal, pour pratiquer immoralité, faire action qui pas bon dans Dieu, bon Dieu, faire ça qui mal. Et pas je dis, non, ça a fait. Femme a couché avec femme, garçon a couché avec garçon. Jezabel te kon pratiquer tout bagay sa yo, t'a enseigné moun yo bagay sa yo pendant qu'elle était madame Akab. Et pourtant elle te gen relation avec l'autre fille toujours. Li te mouri pa yon pa il te mouri humilié. Jezabel sa, li te mouri humilié. Parole mon Dieu. Pa yon jouet. Li pa yon jouet apil. Depi wap agi mal. Nan zye mon Dieu. Premièrement, bon Dieu pa frappe ou sans pa averti ou sans pa avise ou sans pa mette ou au courant. Soit servi bon Dieu mal, bon Dieu gen pou le révélé ou. La montre ou chemin ou tout prend pas bon. La montre ça l'aile pour le frapper pour le frapper très dit
ou pas gen recou. Mais Jezabel sa, li ta panse moun yo pou yo fè immoralité. Li te mouri pa yon humiliation. Parole bon Dieu pa jwet. Exemple sa, c'est mal nan je bon Dieu. Sa ta pratike yo, c'est sa ki mal simplement. Yo te ye nan je bon Dieu. Mais sa ki mal simplement ta pratike nan je bon Dieu. Neuvième femme nan, c'est Madame Lo. La Bible pas présenté non. Non, la Bible pas bay non Madame Lo. Qui t'a vive Sodome, voisinage ville Gomorre. Madame Lo, la Bible pas dit nous non li. Li te gagné deux petites filles, li tap vive Sodome. Li te gagné deux petites filles, li tap vive Sodome. Genèse chapitre 19, verset 1 à 15. Madame Lo désobéit, l'autre bon Dieu te passé maril. Well, Madame Lo désobéit, l'autre bon Dieu te passé maril. Bon Dieu te dit, Lo, li pral krasé, li pral détruit, li pral éliminer Sodome ak ville bon côté liyo. Il pral éliminer Sodome avec ville qui bon côté liyo. Sodome c'était principale ville bon Dieu te gen pour le détruire. Et puis il dit à ville qui bon côté liyo. Eh ben Gomorre c'était ville voisine. Sodome li te ye. C'est ça qui fait le détruit dans déluge là. Il pral craser, il pral briser Sodome avec ville qui bon côté liyo. Pour qui ça? Pour immoralité sexuelle. Femme a vivre avec femme, garçon a couché avec garçon. Bon Dieu dit, il pral détruit ville ça, à toute ville qui bon côté lieu, pour tête bagay, ça yo. Bon Dieu voyait des anges pour faire yo sorti, et puis mette yon côté qui pi assiré. Bon Dieu voyait des anges pour venir tirer Sodome, pour venir tirer et Lo ak madame ni pour yo mette pour la mette yon côté qui très assuré yon côté côté pour yo bien parce que les déluge après le passé pour yo pas victime et puis mette yon côté pour très assuré. Genèse chapitre 18 le verset 20. Genèse chapitre 19 verset 1er 12 et 13. Histoire ça a montré nous qui danger qui gagnait l'air embarrassé corps à bien sous la terre. Histoire ma dans l'eau lui raconter nous-mêmes chrétiens qui vivent sous terre qu'on y a si tout pour mesdames yo pour femmes yo qui attaché avec bien si tout avec bagage en dakaille. Yon grain verre, yon grain assiette. Histoire ça raconte nous qui danger qui gagne dans monde qui embarrassé ou bien embrassé yo embarrassé col ou bien embarrassé col ou bien entortillé col avec bien sous terre. Luc chapitre 17 le verset 32. Sur le texte ça yo on vient en pile là-dedans, yo, des histoires ça. Dixième femme nan qui c'est Sulamite ou bien Sulamite. C'est une jeune fille belle. Une belle jeune fille, une belle demoiselle. Une belle moun. C'est une jeune fille belle. Principe.
Il y a des principes en pile. Il te respecte les principes dans la Bible. Il te kon chante en pile pour roi Salomon. Il y a une jeune fille qui te kon à chanter la kaye roi Salomon. Bible a pas dit nous non. Bible a pas dit nous non non. Salamite la c'est pas non non. Ça veut dire c'est moun pays Salamite. Sous la mythe litéye. Mais Bible a pas révélé non. Yo pa ba nou non. Sous la mythe ou bien sous la mythe t'es fidèle à Bergel Salomon. Salomon c'était Bergel. Roi Salomon, c'était berger sur la mythe. Il était très, très fidèle avec berger. Parce qu'il était qu'on a chanté pour roi Salomon. Il était qu'on a dansé pour roi Salomon. Il était cultivé principe. Il était maîtrisé sentiment moral. En pile. Il était pratiqué principio, il était cultivé sentiment moral yo en pile parce que qu'on est là on monde en affaire avec roi. Sou on a fait avec roi avec une autorité, c'est pas autorité par nous de nos jours non. Là on a fait avec un chef, là on a fait avec un chef, on monde qui pour chanter pour un roi, c'est un monde, y a pas qu'à aller dans toute la rue dans toute démagogie. Parce que même là où so, où yo konn konn fè servis ou a, ou gen l'autre Dieu k'ap gade ou. Et ben même jato ou même k'ap servi bon Dieu. Ou même ki se chrétien. Gen pile Dieu k'ap gade sou. Ou dans la rue y a gen pile moun k'ap veye ou. Yo gen contrôle ou, y a veye façon ou a fonctionner, façon ou a vivre. Ki comportement parce que yo konnen et tel se chrétien. Jean c'est chrétien, frère Charles c'est chrétien, qui façon la vivre, comment la fonctionner? Eh bien, jeune demoiselle ça, il te respecte les principes, parce qu'elle connaît, il y en a fait avec quoi? Non, c'est pas, Bible a dit nous, il était belle, en pile, il était con chanter, il était con danser bien. Il con chanter, il con danser, et puis il est belle. Il y a un pile bon caractère, un pile bel caractère là, Kaili. Il compte li bel, un, il compte chanter, deux, il compte danser. Belle caractéristique, belle prestance.